Hello les Lionceaux, moi j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous avez dû voir qu'il y avait un petit peu d'absence en ce moment. On est en train de gérer un petit peu les choses et de mettre un petit peu plus de structure. Et Sajina est déjà là, c'est super parce qu'on est vendredi et le vendredi c'est le jour de la en direct de l'Inde. Alors, nous passons maintenant sur Instagram parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était encore sur Facebook, mais il y a trop de soucis. Du coup, on passe sur Insta. Hi, Dr. Sabina. Hi. How are you? Namaste. I'm fine. Namaste. Namaste. How are you? Yeah, I'm okay. It's so good to see you. When I see Oh. you, smile is coming back. How's the condition over there? I mean, COVID condition and all in your No, country? it's not so good. I'm not listening the TV, because news are not so good. But I think something is coming back. Maybe not in France, but in Great Britain. And let's see. And I was in India. Oh, the same condition. We also facing the same problems. Oh God. Like And you also, yeah, all the time news are like talking about the pandemic conditions and all. So donc best là, to on parle not. de. Docteur Sajina me demande la situation en France par rapport au Covid, donc voilà, j'essaye de l'informer. Et en Inde, c'est pareil en fait. And in the hospital in which you're working, there are so much problems with this. Yeah, we are also facing the same problems. Yeah, so much cases are going on. Yeah, Oh God. Okay. And these are the poorest people, or this can be any kind of people? sorry, I didn't get you. These are the poorest people, poor people who are poor in the street. Everyone. Yeah, every people's are there, like poor, middle, and rich. Every person are getting this one. Yeah, because poor people has no immunity. They are living in the street, so it's worse for them. They don't care about their body, no? Yeah, they're Yeah. also facing a lot. Yeah, that's also Yeah. a big problem for us. Yeah. Yeah. Donc oui, effectivement, l'hôpital dans lequel travaille le docteur Sajina est bondé, hein, il y a de plus en plus de cas. Donc on espère que ça va se calmer bientôt et que ça reviendra un petit peu normal. Yes, docteur Sajina, yes. No, in your country, most of them are vaccinated or what? Yeah, most of people are getting vaccination. Yeah. Yeah, here also little bit. Yeah, a little bit, Okay, okay. let's. Yeah. So for a few weeks we've been doing live on Facebook, but there Yes. were some problems, so we came back on Instagram. Okay. Yes. Yeah. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, ouais, on commence à parler du sujet. Alors effectivement, comme je disais, ça fait déjà quelques semaines qu'on faisait les lives sur Facebook, mais il y avait trop de soucis techniques. Du coup, on revient sur Insta. Until now we talked about the Ayurveda and the Prakriti, not Prakriti, the doshas. We talked about the doshas Doshas, yeah, doshas we and had talked. we did introduction of rasas. Yes. We had talked about only descriptions about rasas only. Yeah, Yeah. rasas only. Yeah, only. Not, yeah. Yeah, donc depuis ces quelques semaines où on parle avec Dr Sajina et on fait des lives, on a abordé notamment ce qu'est l'Ayurveda, hein, on a expliqué en quelques mots ce que c'était. Et puis on a aussi parlé de ce qu'on appelle les doshas, donc les différents éléments qui constituent la nature de chacun. Et on définit trois natures bien différentes. Et donc, on a fait des lives dessus. Et on a aussi fait un premier live pour parler un petit peu des différentes saveurs en alimentation. Et parce qu'il y a différentes saveurs à privilégier ou à oublier en fonction de certaines choses à améliorer et équilibrer au quotidien. Donc, voilà ce qu'on vous a proposé jusqu'à présent. Donc, une description des différentes natures et un live introductif sur les différentes saveurs. Et donc là, c'était pour vous faire un petit peu bilan. Et la semaine prochaine, justement, on enchaînera avec la première saveur. Et en attendant, on vous invite justement à prendre connaissance durant la semaine des replays concernant ces sujets-là. Comme ça, vous comprendrez mieux les lives à venir. Yes, so I'm inviting people to see the replays of our lives and then to understand better what we are saying in the next few lives. Last time, yeah, that's Yeah. better. Otherwise, they cannot understand what we are talking and all, Yeah, yeah.
Rappelons juste qui est Dr. Sajina. We can say just few words about you, and because they will see the replay, you know, but you can say few words about you. Salut, Charline. Okay, so myself, Dr. Sajna, I'm from India. India, there is a small state called Kerala. So I have been working in Kannur like last 8 years. I have my own clinic. Also, I'm working in a hospital also. Then I'm doing online cosmetology courses, nutrition courses. Also, it's a certified course. Then what? No, yeah, that's great. That's great. Yeah. Donc, that's all about. Yeah, pour vous resituer un petit peu qui est docteur Sajina, donc elle est docteur en Ayurveda dans le Kerala, donc dans l'extrême sud du pays. Et on s'était connus à l'occasion d'un de mes voyages en Inde lorsque j'allais faire mes cours à l'hôpital ayurvédique. Et donc ça fait 8 ans qu'on se connaît et finalement on s'est connus à ses tout débuts dans en hôpital, hein, puisque docteur Sajina, en plus de travailler à son temps, bien sûr, à son propre cabinet, travaille en hôpital dans sa ville. C'est gentil, Charline, merci. Et donc voilà pour la description. Et alors, elle est aussi diplômée en nutrition et en cosmétologie ayurvédique. Et donc, sachez qu'en plus des lives, les lives, c'est un peu la vitrine pour vous montrer un peu qui on est. Avec Dr Sajina, on vous propose déjà des consultations ayurvédiques privées, c'est-à-dire que si vous voulez un petit peu vous apprendre à vous soigner ou à prendre soin de vous au quotidien, au naturel, eh bien ces consultations sont faites pour vous. Si parfois les méthodes de chez nous bloquent, eh bien ça peut être une bonne alternative. Et aussi bientôt, on vous proposera des formations en ligne, justement en nutrition et en cosmétologie ayurvédique. Donc là, vous pourrez prendre ces formations à votre rythme et on sera là, bien sûr, tous les vendredis en live pour répondre à vos questions. Yes, so I'm telling that there will be some trainings, online trainings about cosmetology and nutrition, and that they can take trainings and then ask questions during the lives. Okay, yeah. Then yes, so I think it's okay for today. So we told the resume of what was on the live and what will be. So that's perfect. Yeah. Wishing you a very good day. Oh, connection is bad. The screen doesn't move anymore. Oui, donc on a un petit problème de connexion tout de suite avec Dr Sajina. Et oui, c'est les aléas du live avec l'Inde. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, et parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va se reconnecter. Donc, on vous souhaite une très belle journée et encore une fois, n'hésitez pas à regarder les replays. Voilà, n'hésitez pas à regarder les replays de ce qu'on a déjà fait pour bien comprendre les sujets qu'on abordera dans les futurs lives. Voilà. Mais écoutez, très belle journée à vous et Sajina et moi, on vous dit à vendredi prochain. Prenez soin de vous, les lionceaux. Salut.